Bonjour, je suis Arnaud Vacheron, éditeur du site machine-outils.com. Stéphanie Goodgate de Datron dévoile les nouveautés apportées au centre d'usinage ML3 pour non ferreux et composites. Bonjour, nous nous trouvons sur le stand Datron à l'EMO de Hanovre, devant une machine que vous connaissez déjà pour certains, la ML3 avec ses courses de 1500 par 1000 en XY, mais avec plein de petites nouveautés qui montrent que Datron prend en compte vos nouvelles contraintes et vos remarques régulières. Avec aujourd'hui une porte automatique, guillotine, pour chargement automatique des brutes et déchargement des pièces automatiques. Et aussi, nous allons vous montrer ça dans un second temps, un nouveau magasin d'outils 143 positions, ce qui change vraiment la donne pour nous, puisque jusque-là, vous étiez à 36 positions maximum sur cette machine. Donc avec des courses aussi importantes et une machine dédiée à la production de pièces en série, cette notion d'outils et de reconnaissance d'outils frères était aussi très importante à prendre en compte. Nous voici devant le magasin d'outils. Vous pouvez voir à l'intérieur de cette armoire 143 outils au moment où elle vient déposer le porte-outils dans le support qui va nous permettre dans un second temps, pendant que la machine usine, de décharger et charger des outils. Retrouvez nos actualités quotidiennes sur les machines-outils, logiciels, outillages et services sur le site internet du répertoire de la machine-outil, machine-outil.com, tout au singulier, et n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn.